On a encore 2 billions là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 billions? Qu'est-ce qui peut. Alors après, ouais, ok. Alors par contre, j'ai vu un truc. Ah, putain, est-ce que je fais ça? Non, mais j'ai des trucs qui sont en arrêt total de prod là. Le plastique. Pourquoi le plastique? J'ai plus rien. Attends, là. Lui, il importe bien du plastique. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est. Lui, faut que je l'améliore. Lui, faut absolument que je l'améliore. Mais ça me coûte 4 billions, quoi. Ben non, je suis con. C'est bon. Voilà ce que je peux faire. On va le faire, notre fameux entrepôt là, qui. Avec tout ce qui pose problème là. Bing, allez, voilà, hop, niveau 20. Et on va. Voilà, on va couper certaines choses. Limite, on va tout refaire. Hop. Voilà, on va refaire tous les chemins. Notamment, donc, première chose que lui va faire. Lui, quasiment tous les. Hop. Lui, il va importer de quasiment tous les entrepôts. On va faire ça comme ça. Lui, il va importer des entrepôts. Ça va vraiment être la centralisation des entrepôts. Ensuite, lui, on va apporter pas mal de ressources. Qui viennent de par là, c'est-à-dire, attendez, je regarde, hein, mais on peut par exemple lui demander d'apporter tout ce qui est silicium, de gérer tout ce qui est silicium. Ok. Le fer, est-ce qu'on a beaucoup de choses? On peut peut-être aussi lui demander d'apporter tout ce qui est fer. Tout ce qui est fer. Ok. Alors j'ai pas compté combien on avait de lignes là, résultat, mais voilà. Ok. Donc lui, tout ce qui est silicium, fer. Il y a le carbone dans le coin là. Ouais, à la limite, on peut rajouter. Alors, mais je pensais plutôt peut-être l'aluminium. L'aluminium, il n'y a pas. Il y a des trucs. Il y en a qui sont loin. On va plutôt lui demander. Donc le fer, c'est bon. On va lui demander le carbone qui est le carbone local. On va lui demander aussi d'importer le carbone local. Ouais, en gros, on va dire toutes les mines de base, ça va être lui. Et puis après, on va voir. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Hop, on va rajouter l'aluminium. Ok.
Donc lui, c'est vraiment tout ce qui est matière première. Lui, c'est tout ce qui vient des autres entrepôts. Question, c'est est-ce que c'est suffisant maintenant pour est-ce que si maintenant je demande lui? Ok. Ouais, mais là ils sont limités à 9 de toute façon. Lui par exemple il faut du plastique. Lui. C'est ici hein, qu'il y a du pétrole. Il y a du plastique. Hein. Si je regarde dans ses stocks. Ouais, c'est ça. Alors, lui, il va y avoir une deuxième route. Une deuxième route qui va apporter du plastique. Il apporte du charbon. Lui, il apporte aussi du charbon. Alors, lui, on va y faire construire aussi une route vers lui pour apporter le charbon. Ok. Lui, qu'est-ce que c'est, lui? Lui, c'est du pétrole, lui, hein. C'est du pétrole. Est-ce qu'il a autre chose que du pétrole en lui? Du fer. Je vois qu'il y a du fer qui devrait pas être là. Lui, il y a du fer. Donc, lui, tac. 5, tac. Et on va lui dire d'aller... ouais. Donc on va lui dire d'aller chercher le fer pour cette dernière route. Dernier entrepôt, c'est du fer. Voilà. Hop. Lui, pareil. Lui, on va lui dire. Hop, rajoute une route spécifique avec celui-là pour le fer. Comme ça, on va apporter deux fois plus de fer. Parce qu'à mon avis, mes aciéries, elles galèrent parce qu'elles n'ont pas d'approvisionnement en fer. Ok. Oh tiens! Ah, ça c'était pas prévu. On va juste en produire un petit peu. Juste de quoi remplir la demande. Bon, pour 58 millions, hein, c'est pas dingue, mais bon. Ok. Résultat, je suis toujours pas bon. Putain, mais j'ai tout qui s'est écroulé. C'était, j'ai pas fait les bons choix visiblement. Lui, il apporte du charbon. Ok, pourquoi pas. On va ici du pétrole brut. Tu veux. Ici c'est du fer. Ça n'est que ça. Ici c'est des planches. Ok. Ouais, donc lui. Il y a cet entrepôt là. Du pétrole brut, même si, ouais, c'est pas.
En vrai, c'est pas utile. Ça, il peut le supprimer, c'est pas utile. Lui, c'est le bois qui vient de là-bas. Là, c'est du plastique. Et là, c'est parce qu'il y a du fer. Lui, il y a tout ce qui est plastique qui peut importer aussi. Alors attendez, que je regarde les raffineries. C'est ça. Donc lui, il y a tout ce qui est plastique. Non, 5. Hop. Ah oui, alors attendez. Ouais, alors pour le moment, je vais les. Voilà, je vais les sélectionner. Bon, il y a les trois là, il n'y en a pas une autre. Celle-là, elle est liée à la. Celle-là, elle est liée à lui, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et les raffineries qui sont là, ici, c'est pas du pétrole qu'il faut ramener, c'est du plastique. Voilà. Du plastique pour les chaussures. Voilà. C'est dingue, le fer c'est. Oh, le charbon aussi, pareil, c'est un enfer. Mais. Bon, donc on est parti, donc il nous faut du charbon, du fer. Le gaz naturel, ça donne quoi? Non, le gaz naturel, c'est bon. C'est bon, le gaz naturel, c'est un mauvais indicateur. Le pétrole brut, c'est galère, mais on s'en sort. Donc c'est surtout le charbon et le fer le problème. L'aluminium, charbon, fer, aluminium. Bref, en gros, c'est nos matières premières, quoi. C'est vraiment nos matières premières qui posent problème. Après, j'ai mes planches sorties dans 1 heure. Ouais, on réactivera nos machins et puis c'est tout. Mais du bois, pareil. Du bois, j'en ai à plus savoir quoi en faire et ça se vend. Ah, il est pas rentable. Parce qu'il est pas rentable. Il est vraiment pas rentable le bois. Peut-être que sous forme de planche, par contre, si. Même pas. Même pas. C'est même pas rentable. Bon. Je regarde un truc.
pense qu'on va basiquement refaire le tour du marché. Alors, par contre, on va masquer ce qui n'est pas rentable. Voilà. Alors, de l'aluminium. De l'aluminium, on en a 1,3 million. Ouais, non, mais c'est pas rentable. Tac, tac, tac. Les appareils photo, faudrait qu'on crée des appareils photo, hein. L'artillerie, pareil, hein. Le charbon, on est en galère, mais... Non, on est vraiment trop en galère. Pour voir notre stock de dynamite, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, toutes les 10 secondes, oui, on va attendre un petit peu. J'ai un truc là. Ah. Vous savez quoi? Tant pis. Hop. On a de quoi faire. Donc, je disais, les ressources qui posent vraiment problème. On a d'abord le charbon. Le charbon, c'est le problème. C'est un des premiers problèmes. Tac. Est-ce que... Ouais, ici aussi. Tac. Voilà, déjà ça nous fait 3000 niveau 20. Est-ce que ça résout le problème? Ça a l'air de résoudre le problème. Même si une quatrième ne serait pas du luxe. Ça coûte... Bref. Mais encore. Coûterait combien? 2 billions? Bon, après, on a le fer à gérer tout ça, c'est ça le problème. Mais bon, allez, tant pis. Hop, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de soucis. Hop, ok. Donc, ça, c'est le charbon. On ne se fait plus vraiment de soucis. Ensuite, on a le fer. Le fer, le fer. On avait lui là. Ça nous fait 3 mines et une quatrième qu'on peut pas. Donc, hop. Est-ce que le fer, le problème est toujours pas résolu? Donc du fer, il nous en faut plus. Ouais. Vous savez quoi, j'ai envie de prendre un risque. J'ai envie de prendre un risque de type. On va vendre un bâtiment. Histoire d'avoir un permis de construire. Voilà, moteur oublié. Et on va faire. Hop, on va avancer un petit peu hein, dans cette. Dans notre histoire là. Et on va faire des appareils photo. Parce que visiblement. Ça a l'air d'être rentable. On peut le faire là. Même si on devrait le faire un peu plus près. On va le faire là. Quoique.
Là, c'est plus près de mes entrepôts. Je vais le faire là. Je vais le faire là. Je vais faire. Hop, on va faire une usine d'entrepôt. Enfin, on va faire une usine à appareils photo. Parce que j'ai vu que sur le marché, ça se vendait. Qu'est-ce que ça demande? Aluminium, verre et pile. Ok. Et au niveau export, je peux arrêter de vendre des batteries pour vendre ça. Et donc, vu que mes batteries s'arrêtent, hop, je peux désactiver ça. Et vu que je ne consomme plus de planches, je peux réactiver mes fabriques de planches. Hop. Alors mes planches. Ouais, voilà. Hop, c'est bon. Pareil, les planches, résultat, je vais regarder pour pouvoir éventuellement en vendre. Est-ce que ça vaudrait le coup? Planches. Il n'y a pas de vente de planches. Si, mais c'est pas rentable. Ouais, c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable de vendre des planches, mais bon, voilà. Oui, j'avais regardé en plus tout à l'heure, mais bon, voilà. C'est bon, le verre. Le verre, c'est bon. Bois, les piles, les planches, le charbon. Le charbon, on est de nouveau en augmentation, mais c'est parce que oui, j'ai géré les quatre machins. Les semi-conducteurs, on a eu une chute, et puis là, ça a l'air d'aller mieux. On a des problèmes d'alu. Donc, oui, on a des problèmes de fer et d'aluminium. Donc en fer, on a lui et en alu. Ça résout pas le problème, mais bon. Ouais. Ipropergol. Après, il y a ça, hein. Le propergol, mine de rien, oh là là, ce que ça consomme. Ça va falloir que je trouve faut falloir que je trouve une solution pour ça. Éventuellement faire une production de propergol correcte. Ça consomme masse en vrai. Mais en même temps, le propergol, je suis désolé, mais on va laisser le gaz naturel un petit peu se transformer en propergol. Et on va en vendre, hein, parce que je crois que le propergol, si je regarde, tac, 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 pétrole, pétrole raffiné, planche plastique, propergol. Ouais, il y a de la demande, hein, et puis, ouais, là, c'est parce que j'en ai pas des masses, mais... Mais ça peut s'envisager, hein.
Attendez, je suis en train de penser à un truc. Attendez, 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 attendez. Parce que si ça marche, ça, je suis un génie. Le propergol, là, il se vend à 23K unités. Là, je peux le vendre à 23K unités. Pour combien unités je peux en acheter? Pour 15K. Non. Non, pour 400 unités. Je tente. Je tente. Si ça marche, je suis un génie. Je suis un génie. J'en achète sur le marché, je le revends sur le marché des joueurs. Merde. Propergol, Propergol. Bon, j'augmente le prix, hein, résultat du Propergol, mais. Hop. Propergol 2K. Hop, toujours pas. Bon, bref. J'ai acheté du Propergol là. Hop, je retourne sur le marché. Je tape. Hop. J'aurais dû. Hop, papier. Propergol. Tac-tac. Vendre. Je vends les 3K que j'ai récupérés. Et là, j'ai fait un bénéfice de ouf. Ah, ok, c'est parti. C'est parti, on va faire ça plusieurs fois. C'est du génie. Attendez, dans ce cas, j'en ai acheté en 1 million direct. Hop. Non, je peux pas en 1 million direct. Profergol. Hop. Bon, je suis encore augmenté le prix, hein, mais. Bon, allez, hop, on va dire que c'est bon. Mais en vrai, c'est ça qu'il faut que je fasse. En vrai, c'est tellement ça qu'il faut que je fasse. Oh, le jackpot. Oh, je suis un escroc. C'est génial, c'est génial, c'est juste génial en fait. Faut vraiment que je regarde sur le marché les prix et il va falloir que je prenne une feuille de papier et que je note à la limite plutôt que de devoir à cliquer à chaque fois. Et là j'ai 23 millions, je peux résoudre énormément de problèmes. Bon, mon gaz naturel, résultat là, hop, hop, voilà, je désactive mon propergol parce que sinon c'est voilà, voilà, c'est bon, je suis de nouveau en augmentation. C'était quoi les ressources qui me posaient problème? Donc le gaz naturel, ça c'est bon. On avait le, ça, on avait l'aluminium et le fer, hein. C'est ça. Donc l'aluminium ici, tac. Le fer ici, tac. Donc j'ai 4 mines de fer déjà là. Hop, l'aluminium. Je peux éventuellement mettre, hop, celle-là par exemple. Hop, x 10, et puis allez, pourquoi pas, hein, de toute façon maintenant on a du pognon. Ok. Ah mais j'ai trouvé le truc pour résoudre les problèmes en fait. Faut juste que je regarde qu'est-ce qui est rentable. Que j'achète ces ressources. Alors, je peux arrêter de vendre des écrans pour vendre des armes à feu. Ce qui fait que je vais désactiver mes écrans et activer mes armes à feu. Hop. Donc, le propergol, voilà, ça a fort augmenté, c'est normal. Hein, c'est parce que j'ai. Voilà, j'ai simplement monté le prix. Faut que je regarde, faut que je regarde. Mais par exemple, je pourrais acheter masse pétrole brut pour le revendre. Je sais pas si le pétrole brut, par exemple, ça vaudrait le coup. Et le truc, c'est qu'on peut pas, on peut pas trier par ce qui est le plus.
Par exemple, des chaussures. On va dire par exemple des chaussures. Des chaussures. Ça vaut quasiment rien. Je suis sûr que je peux même les acheter par 1 million. Je les ai ratés. Ils sont où? Chaussures, là. Bing. J'achète des chaussures. Faut pas que je dépasse les 2K en achat. Voire même, on va dire les 1K pour garder le. Voilà. Hop, ok. J'ai acheté ma chaussure. Là, je retourne sur mes chaussures. Pas assez de ressources? Comment ça, pas assez de ressources? Oui, si tu veux. Alors, je vais vendre un peu moins. Je vais vendre. Voilà. Et j'ai fait 14 millions de bénéfices. C'est génial. C'est génial. Je peux carrément faire ça comme ça en fait. Bon là c'est parce que je viens d'avoir une commande de fer, c'est pour ça que ça a diminué, mais là le fer c'est bon. Le charbon c'est bon. J'avais des soucis d'alu, hein, mais oui ok d'accord. J'ai des soucis de verre visiblement. Non, c'est bon. Ah, j'ai encore des soucis d'alu. Mais en vrai non. En vrai c'est bon. Le bois c'est bon. Les piles c'est bon. C'est parce que là j'ai une demande. Des planches, du charbon. Le charbon en vrai je suis pas encore très stable. Donc on va réaugmenter le charbon. Alors, est-ce qu'il y a une mine de charbon? Non, va falloir que j'augmente plus dans ce secteur-là. Alors, bah ici, celui-là, c'est très bien. Ping. Ping, allez, hop. Ok, et on va partir sur l'idée que j'avais après, c'était de d'améliorer les. Oh, j'ai pas vu l'électricité. Ouais, il va falloir que j'investisse dans une nouvelle centrale. Et la nouvelle centrale que je vais voilà améliorer. Ah, bah attendez. Pourquoi je me fais chier? Ça coûte 15 billions, mais je m'en fous. Ça résout pas le problème? Ah si, ça y est. Ça. Ouais, alors ok, d'accord, ok. Oui, c'est parce qu'il faut que ça se stabilise en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est parce que. Ouais, encore, je suis pas très très stable. Toc toc. C'est pas un souci. Ok, je manque de gaz naturel. Ben, c'est pas un souci, justement. Justement, le gaz naturel, je voulais l'augmenter. Alors. J'ai toujours des soucis d'assaut aussi. Alors, on va repartir encore sur une escroquerie. Résultat, je vais appeler ça comme ça, hein, des escroqueries. Hein. Alors, le pétrole, le gaz naturel, non. Le plastique, par exemple, ça coûte que dalle. Mais je suis, mais il y a de la demande en plastique. unités. Donc il faut que je monte le plastique jusqu'à atteindre ça maximum. Donc on va faire ça. On va acheter par million du plastique jusqu'à atteindre un peu moins de 300. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est la rentabilité, hein. Ok, donc là j'ai utilisé tout mon pognon pour ça. Mais c'est pas bien grave parce que là maintenant je rentabilise.
parce que le plastique, c'est fantastique. Bon, c'est une petite rentabilité, 11 billions. Ça va. Mais maintenant, je peux encore acheter du plastique jusqu'à atteindre les 350. Je peux continuer à acheter un peu de plastique. Faut juste pas que je dépasse 350. Là, ouais, allez, voilà, là je dépasse. Là je dépasse, donc ce n'est plus rentable de le faire. Et maintenant, plastique. Oui, ok, parce que ça s'est passé en dessous de mon marché, mais voilà, là j'ai 4 billes. Ok, et maintenant, voilà, j'ai l'indication comme quoi ce n'est plus rentable de pouvoir le faire. Ouais, bon, j'ai fait. En continuant, j'ai juste gagné 1 billion supplémentaire. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Mais ça, c'est parce que c'était le. Voilà, c'était le plastique. C'était pas le plus ouf de tout. Après, j'ai le bois. Mais le bois n'est. Mais le bois, je crois qu'il est pas rentable. Il y a 84. Faut que je regarde le marché. Donc à chaque fois, faut regarder le marché. Voilà, donc pour le moment, le bois n'est pas rentable. C'est pas rentable de le faire. C'est pas rentable de le faire. Le fer, justement, parlons-en. Le fer, est-ce que ça vaudrait le coup? Je n'ai pas de fer sur le marché. En vrai, tout simplement, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui est rentable et ce que je peux acheter surtout. De l'alu pour 250. Pour de l'alu pour moins de 250, ça peut aller. Bon, ça fait une toute petite rentabilité. Bah voilà, ok, la rentabilité est déjà terminée, quoi. Ouais, c'est rien. Ça, c'est rien comme rentabilité. Le charbon. Ouais, mais je crois que le charbon, je l'ai déjà fait, c'est ça, non? 350 pour le charbon. Donc ça vaut pas le coup. Le silicium. Est-ce que du silicium intéresserait des gens? « 217, c'est ça? « 217, c'est là, je suis à... « Ouais, allez, on peut dire oui. « Hop, là, c'est plus rentable. Donc en fait je peux. Donc en fait on peut vraiment tricher comme ça. Enfin tricher. C'est pas vraiment de la triche, hein. C'est juste de l'import-export. Bon ça arrivera jamais, mais de toute façon ce sont des tout petits trucs. Donc c'est pas. Voilà. Bon, j'ai 14 billions. Donc en vrai, faut vraiment faire tourner le marché. Hop. Mes problèmes d'énergie ont l'air d'être résolus. J'ai bien dit ont l'air d'être résolus. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On va améliorer le gaz naturel ici. L'idée, c'est d'améliorer le gaz naturel et après, on va pouvoir partir sur la construction d'une nouvelle centrale ou alors améliorer celle-là. C'est pas trop un souci.
On va voir surtout les différents problèmes. Moi, j'aimerais bien, c'est que mon acier ne soit plus un problème. Parce que là, actuellement, ça l'est. Alors, ils me disent qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en charbon. On va faire une autre aciérie. En vrai, ouais. Allez, Assyrie. Ok. Des vêtements. Là, je suis actuellement à 132. Ça intéresse personne. Par contre, ouais, non, le verre n'est pas d'accord. Ok. Oui, je peux faire ça aussi. Remarque, je suis en train de voir, mais je suis en train de voir. Hop. Oui, l'artillerie, mais de toute façon, j'en fais pas. Du bitcoin, du bois, c'est pas rentable. Le charbon peut être un petit peu rentabilisé, j'avais dit. Mais c'est une petite rentabilité, je crois. Ouais, c'est pas énorme en rentabilité, mais on peut le faire. Toc toc. Chaussures, on peut encore, hein. Faut atteindre les 2K en chaussures. En chaussures, on peut encore. On peut encore faire de la rentabilité, hein. Ouais, pas de ouf parce que je suis déjà à 1K, mais. Ah bah oui, hein, j'ai pas assez. Oui, j'ai pas assez, oui, c'est normal. Hop. Mais bon, on peut rentabiliser encore un petit peu. Est-ce que ça vaut encore le coup? On va gagner très peu, hein, mais ouais, là après c'est plus rentable. Après c'est plus rentable, c'est même pas la peine. Hop, chaussures, hop, on va vendre encore le million. Ouais, voilà, on a gagné 500 millions, quoi. C'est pas énorme. La dynamite, hein, là. 2,4K. On peut, hein. La dynamite, je crois qu'elle vaut pas grand-chose. Ah, quoique, 1K. Bon, on va. C'est trop cher, hein, 1 million? Bon, bah, on va les acheter 100K par 100K, c'est pas un problème. C'est déjà hors marché. Ok, d'accord, pas de soucis. Ouais, ok, d'accord, on a gagné 200K, quoi. Enfin, 200 millions, quoi. Ok, d'accord, c'était vraiment pas rentable pour le coup. Les écrans, non. Non, mais les fusées, mais je m'en fous. Le gaz naturel jusqu'à 105.
Le gaz naturel jusqu'à 105. Oui, carrément. J'ai dû en acheter un tout petit peu trop, mais de toute façon, je vais pas tout vendre. Ah non, ça vaut. Ouais, ça vaut. Ouais, à peine quoi, d'accord, ok, vraiment à peine la rentabilité pour le coup. Après j'en avais vendu beaucoup avant, hein, donc c'est normal. Les guitares, non. Et puis il va falloir que je mette fin à cette session de tournage. Mais on a trouvé une solution pour éventuellement les moteurs. Les moteurs jusqu'à 3K, ouais mais j'en exporte. Ça sert à rien, les moteurs j'en ai besoin. Je peux pas me permettre d'en vendre. Moteur à réaction. Jusqu'à 26K. Je suis à combien là? Ouais. Non. Non, de toute façon, je cherche pas, j'ai pas assez d'argent. Alors, mon acier. Mon acier, résultat. Ouais, non, toujours pas. C'est toujours pas ça. Toc toc toc, le fer, résultat, je galère de nouveau parce que, ben, avec ma nouvelle aciérie, c'est pas possible. Donc, hop, ici, et puis voilà, on va augmenter encore un petit peu. Voilà, on va mettre voilà, tout le secteur là. Voilà, le fer n'est plus un souci. Le pétrole, c'est bon. Le charbon, c'est bon. Les semi-conducteurs, c'est bon. Les planches, c'est bon. Les piles, c'est bon. Le bois, c'est bon. L'aluminium, c'est bon. Le verre, c'est bon. Et après, bah, c'est les appareils photo. Mais là, il dit que de toute façon, on est nickel pour tout ça. Ok, donc en fait, c'est vraiment mon acier qui me pose problème. C'est vraiment le seul problème que j'ai. C'est le seul problème que j'ai, et c'est parce que j'ai des soucis d'approvisionnement. Et j'ai des soucis de. Non? De carburant, visiblement, mais voilà. Est-ce que c'est quoi le problème? Ah, d'accord. Donc, là, par contre, j'ai des problèmes de raffinerie. On va juste faire peut-être une raffinerie. Une nouvelle raffinerie, hein, on parlait d'en faire une en début de vidéo. Donc on va la faire. On va la faire, cette raffinerie de pétrole. Bah, juste la faire rapidement, puis après on va se quitter là-dessus pour cette session de tournage. Mais en tout cas, j'ai trouvé comment exploiter le marché pour pouvoir rentabiliser. Avoir un apport d'argent correct. Hop. Et dans le secteur, visiblement, il va me manquer un petit peu de. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que je vais jouer un petit peu hors caméra. Je vais pas créer de nouveaux bâtiments. Je vais juste améliorer les bâtiments qu'on a actuellement. Simplement. Éventuellement, je créerai une nouvelle centrale à gaz. Éventuellement, voilà, il y aura juste ça de nouveau. Mais je crée pas de nouveaux bâtiments sans vous. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Bien, nous sommes de retour.
Donc le lendemain, voilà. Alors les choses ont un tout petit peu évolué. Je me suis mis en tête de supprimer les éoliennes. Et donc j'ai déjà supprimé l'éolienne qui était par là et un panneau solaire qui était par là, ainsi que leur batterie, pour pouvoir économiser quelques permis. Donc voilà. Donc là j'ai quelques permis éventuellement. Qu'on peut récupérer ainsi. Je regarde rapidement parce que ça a évolué pendant la nuit. Hop, les jouets. Les batteries, ça vaut plus le coup. Les robots. Donc, les armes à feu, je peux fermer. Et les jouets étaient déjà actifs. Ok. Deux, trois petites choses qui ont dû changer. Hein. Notamment, mes batteries sont passées niveau 20, je crois. J'ai créé une deuxième usine de verre ici. Et une deuxième. Voilà. Et une deuxième usine de semi-conducteurs ici, parce que j'en manquais. J'ai augmenté aussi, vous voyez, du gaz. J'en ai pas mal augmenté. Voilà, et puis ici, pareil, j'ai augmenté quelques puits de pétrole. Voilà, j'ai essentiellement augmenté ce genre de choses. J'ai monté aussi cette centrale-là niveau 30, elle était niveau 29 quand on s'est quitté. Voilà, de tête, c'est ce qui s'est passé hier soir. Après, voilà, quoi, c'est... Voilà. Alors, on va tout de suite, c'est commencer. Excusez-moi, à faire du business. On va commencer, je pense, par le plastique. Attendez. Non, oui, excusez-moi, c'est pas le bon plateau. Je me disais pourquoi ça varie autant. Mais non, oui, ok. On va commencer donc par le plastique. On est à 93 $. Hop, en offre de... Non, on va commencer par les chaussures plutôt. Les chaussures, toujours 2K. On a toujours cette offre là qui est ouverte, qui est très très avantageuse. Toc, toc, toc. Donc, les chaussures, on va en acheter jusqu'à atteindre les 2K. Hop, on les achète par million. Donc l'idée c'est on achète les chaussures à bas prix. Bon voilà, j'ai plus de pognon. Hop. Et on revend les chaussures au prix fort. Voilà, on gagne 10 millions. On va refaire la même opération avec les chaussures. Là, c'est plus rentable de le faire. Hop, chaussures. Voilà, ok, 14 millions. Ok, ensuite, généralement... Alors, je regarde les écrans rapidement. Non, donc c'est pas rentable. Hop, on va juste... Tac, tac, tac. L'aluminium. Bon, c'est pas énorme, hein, 260. 260. Ouais, on peut en vendre 1 million, quoi. Ouais, après ce sera plus rentable. Ouais, c'est même pas rentable en fait. C'est même pas rentable du tout. Mais je devais être dans la sauce résultat niveau alu. Non? Ouais, je suis théoriquement pas ouf, mais en vrai ça va. L'aluminium devrait être augmenté. On le sait. On va terminer.